Alors nous voici dans l'église Saint-Antoine de Padoue, à Brive-la-Gaillarde, qui se situe juste au-dessus de la grotte, où a vécu un an Saint-Antoine de Padoue. Là, c'est tous les remerciements. Il y en a tout autour, il y en a un petit peu, mais bon, il n'y en a pas autant qu'à Saint-Antoine de Padoue même. Moi, j'y suis allé. Il y en a beaucoup plus là-bas. Voilà. Donc voilà l'église Saint-Antoine de Padoue, Brive-la-Gaillarde. Et là, on a une vue, comme vous venez de le voir, sur la grotte, enfin une vue plongeante. On va pas filmer les gens parce qu'il y a des gens en dessous. Voilà. Donc vous voyez au moins l'intérieur de l'église Saint-Antoine de Padoue, Brive-la-Gaillarde. Un magnifique tronc de Saint-Antoine de Padoue qui me fait penser au film, pour ceux qui aiment Bourville, Un drôle de paroissien, parce qu'à un moment, il rénove une machine qui fait de la musique, un peu de ce genre-là. En tous les cas, ça y ressemble. Voilà. Les remerciements, les bougies. Moi, j'ai rembrûlé mes... à la grotte directement quand les gens seront partis. Voilà, ils font aussi hôtellerie, puis c'est un lieu de pèlerinage, donc il y en a souvent qui viennent, je pense, en séminaire, salle de réunion, puis pour faire voilà, leur prière et tout le... le culte. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une statue de la Vierge là-haut. Voilà. Voilà l'église. Donc on fera la suite de cette vidéo directement dans la grotte.